Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la question que je me pose depuis des années. La question concerne la fameuse, ce qu'on appelle la déconnexion des politiciens, des dirigeants, au sens large du pouvoir, d'avec le peuple, et même, je dirais, d'avec le pays, carrément. On a tous observé que les gens, même des gens plus ou moins normaux, hein, qui venaient même de la société civile, à partir du moment où ils rentraient en politique, ils rentraient sous les ordres de la République, avec tout ce qu'il y a autour, hein, pas forcément que financier, mais enfin tout ce qu'il y a autour, tout l'apparat, on peut appeler ça comme ça, des restes de la monarchie, j'en sais rien, ils étaient complètement déconnectés. Et ils rentraient dans un espèce de tunnel, avec des éléments de langage, avec des négations des réalités, avec, on va dire, la bien-pensance ou le politiquement correct, et ils sont déconnectés. Donc c'est vrai que ça nous rend fous. Moi, c'est aussi pour ça que je suis arrivé en 2017 avec le fameux stop politicien. Alors, là, par exemple, retardons-nous sur quelques évidences que tout le monde vit. Par exemple, je vais m'adresser à Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, qui est ministre de la Justice, et qui, bien sûr, depuis qu'il est arrivé, nie complètement l'ensauvagement, nie complètement l'explosion de la délinquance, nie complètement des réalités statistiques. C'est extraordinaire, hein? C'est-à-dire que les mecs ne doutent de rien. Ils disent des trucs faux, on peut leur montrer les chiffres, ils diront non, non, c'est pas ça. Bon, bref. Donc, moi, Dupond-Moretti et toute la clique, là, toute la clique qu'il y a autour actuellement, mais enfin, c'est pas qu'eux, hein, ça fait depuis 10, 15 ans. Je les invite à aller voir, par exemple, des sites sur Twitter qui s'appellent F de Souche, hein, et Actu17, par exemple, hein. Alors, F de Souche, on dit, ouais, c'est facho, F de. Non, mais c'est pas facho, pas facho. F de Souche est une revue de presse, voilà. F de Souche, ils vont dans les journaux régionaux et ils compilent, on va dire, tous les trucs d'insécurité, d'ensauvagement, les gens brûlés dans des cars, les gens égorgés, les gens lynchés, les gens écrasés, enfin bon, toutes les horreurs qu'on peut, les viols collectifs, tout ça. Tout ce qu'on peut, mais qu'on ne voit pas, bien sûr, chez BFM. Vous avez compris que BFM, les médias mainstream, c'est tout va bien, madame la marquise, et, ou alors tout va mal, mais sur un sujet avec un plan global. Donc là, c'est le Covid, enfin la Covid. Donc ils ne parleront pas de ça. Parce que parler de ça met le flash, on va dire, sur une évidence, à savoir le lien direct entre immigration et délinquance. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de l'ENA pour voir le lien. Donc voilà, donc Dupond-Moretti va voir un peu ce qu'est la France. Et alors ce qui est étonnant, c'est que lui, quand même, c'est un avocat. C'est pas un énarque qui sort de je sais pas où. Il a été confronté toute sa carrière. Il a défendu des racailles, des trafiquants de drogue, des meurtres, enfin bref, il connaît tout ça. Mais vous avez vu, dès qu'il arrive ministre, hop, il change de discours. Ah ben non, 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 il n'y a pas d'ensauvagement, tout va bien. Alors rappelez-vous sa phrase extraordinaire. Il a dit il n'y a pas longtemps, je veux qu'on n'augmente pas le nombre de détenus dans nos prisons. Mais personne, c'est marrant qu'aucun journaliste ne le ridiculise sur une phrase comme ça. C'est-à-dire que Dupond-Moretti, c'est lui qui détermine le taux justement, de criminalité, d'ensauvagement, etc. Et il dit je veux. Bon, alors il veut. Alors rien que cette phrase, elle est hallucinante, elle montre une mauvaise foi incroyable, parce que c'est un type intelligent. Pas nous dire qu'il est à ce point-là idiot. Alors ensuite, est-ce que Dupond-Moretti, il sait qu'on a le taux de place de prison pour 1000 habitants, ou pour 100 000 en l'occurrence, le plus faible d'Europe? C'est fou. Parce que moi, comme vous avez sûrement voyagé, mais je veux dire, l'insécurité en France, c'est pas la plus faible d'Europe. Même en Espagne, où l'insécurité est moins grande, on va dire, il y a plus de places de prison. Voilà. Donc, on ne fait pas de places de prison, et après, bah, du coup, on gère la justice avec l'idéologie bienveillante, les codes, enfin les excuses du code, les excuses du hashish, enfin du cannabis. Hein, vous avez vu que si on tue quelqu'un sous l'emprise du cannabis, on est irresponsable, pas de procès. Même si on dit sainte juive ou Allah ou Akbar, n'importe quoi, non, 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 avec le cannabis, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est un bon moyen maintenant pour tuer quelqu'un sans être jugé, hein, c'est assez pratique. Donc, on construit pas de place de prison, et après on dit, bah, les prisons sont pleines, donc on peut pas incarcérer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au fur et à mesure, on augmente le niveau où quelqu'un doit aller en prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des types qui peuvent lyncher un type, ils sont en garde à vue 48 heures, et ils ressortent, ils sont pas en prison. Tranquille. On a des types qui peuvent violer, enfin, même il y a des cas incroyables, hein, qu'on voit tous les jours, justement, sur ce genre de sites, qui sont pas. Ils n'inventent pas les histoires, hein, ils sont référencés, etc. Mais non, on nous dit qu'on est des fous, qu'on est des fachos et qu'on est des racistes. Voilà, juste en faisant des constats. Alors, je pose la question, puisqu'il y a un lien évident entre l'immigration et la délinquance, et je dirais même l'ensauvagement, puisqu'il y a un lien évident entre le nombre de migrants qu'on fait rentrer qui n'ont pas nos codes, justement, et on le sait, ou qu'on fait rentrer ou pas d'ailleurs. Vous savez qu'il y a les clandestins, vous connaissez le concept de clandestin récidiviste? Mais imaginez il y a 25 ans ou 30 ans,
Admettons, il y a 30 ans, et même il y a 40 ans, en 1980, admettons. Le clandestin dans un pays, même en France, il se cachait. Hein, il était clandestin, normalement, il n'avait pas de papier, il essayait de se faire discret, etc. Aujourd'hui, le clandestin, il manifeste. Il nous engueule, il nous traite de racistes, et il dit que ce n'est pas normal qu'on ne le loge pas, qu'on ne lui donne pas des papiers, etc. Mais pire encore, le clandestin, il agresse. Il viole, enfin, pas le clandestin, mais des clandestins. Et il est arrêté, pas de problème, il fait sa peine de prison, 1 an ou 2 ans, n'importe quoi, et il ressort. Et on relâche un clandestin danger public qui va forcément être récidiviste puisqu'il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Comment il peut vivre ce clandestin? Eh ben, il va être obligé de faire des trucs qui sont illégaux, ou violents, ou travailler au black, etc. Donc les gens qui le libèrent, quand je dis que ce sont des assassins, je ne me trompe pas de mot, assassin, c'est une préméditation. Combien de gens, combien de femmes ont été violées, ont été égorgées, ont été tuées? Combien d'agressions? Combien de gens ont été tués par des clandestins récidivistes qu'on a relâchés, qu'on n'a pas expulsés? Combien? Eh bien, si vous réfléchissez bien, ben, les assassins, les commanditaires conscients, ils peuvent dire, mais qui sont en même temps irresponsables, hein, les juges des libertés, tous ces gens-là, les juges de la justice, enfin tous ces gens, S-magistrature et tous ces trucs-là, ce sont des assassins. Sur la base d'une idéologie de la bien-pensance, de la morale, ils condamnent à mort ou au viol ou à l'égorgement ou à l'amputation, j'en sais rien, des gens dont ils ne connaissent pas le nom. Alors tous ils sont contre la peine de mort, parce que la peine de mort, ouais, c'est plus dur, hein. On a le mec en face, on a son nom, il est là, ok, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il est encore un être humain, est-ce qu'il peut bénéficier des droits de l'homme? Moi, il y a des cas où je trouve que non. Donc, ah bah oui, on ne va pas le condamner à mort quand même, on est civilisé. En revanche, condamner à mort des futurs gens dont on ne connaît pas l'identité, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Il y a des exemples, je pense, quasiment toutes les semaines, de gens qui sont morts à cause de l'irresponsabilité de ces juges. Alors déjà, dans le programme, vous avez compris qu'on va changer tout ça. Hein. Mais je voudrais poser une question, et là, globale, à tout le gouvernement. Jusqu'à quand, je vais être vulgaire, jusqu'à quand vous allez nous prendre pour des cons? Jusqu'à quand vous allez faire une politique antinationale et de préférence étrangère? Jusqu'à quand vous allez laisser 12 millions de pauvres? Jusqu'à quand vous allez mettre des sommes énormes pour des gens qui ne méritent pas, qui n'ont rien à faire en France? Jusqu'à quand vous allez accueillir toute la misère du monde, alors que souvent c'est même pas vraiment de la misère, ce sont des gens qui viennent profiter de notre système? Ou des Albanais? Vous savez ce qu'ils font les Albanais? J'ai rien contre eux, hein. Vous savez que c'est le pourcentage le plus important des réfugiés politiques ou des, je sais pas exactement quoi. Vous savez ce qu'ils font ici les Albanais? Ben renseignez-vous. Ils sont quasiment tous dans des filières de trafic d'êtres humains, de prostitution, etc. Vous voulez que je vous prenne chaque pays, des soi-disant réfugiés, que la France, du haut de sa grandeur, doit accueillir, alors qu'elle laisse crever son propre peuple? Franchement, une politique antinationale à ce point-là, une politique qui laisse assassiner, qui laisse lyncher, qui laisse égorger sa population, tout en lui faisant la morale. Et les cibles, les victimes, sont traitées de fachos et de racistes, juste parce qu'ils disent la réalité des choses. Il y a 70% de musulmans dans nos prisons, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de statistiques. Il y a plus de 33% de naissances chaque année qui sont issus d'immigrés. Alors d'immigrés, c'est pas grave, moi aussi je suis issu d'immigrés. Mais enfin voilà, donc on peut pas nous dire que la France est un pays xénophobe, raciste, refermé sur lui-même. On a une dose qui est énorme et qui maintenant, on s'aperçoit, l'en sauvagement depuis 1 an, il peut le nier notre ministre à 2 balles là. Enfin, allez dans les quartiers. Tous les soirs, on nous dit pas tout, hein. Tous les soirs, il y a un quartier qui s'embrase. Tous les soirs, des voitures de flics brûlées. Des quartiers où il y a des otages. Parce que ceux qui souffrent le plus, c'est même pas moi. C'est même pas les gens, on va dire, qui habitent dans les quartiers normaux, plus ou moins acceptables. C'est les gens qui habitent dans ces quartiers. Et qui sont même des fois les parents des gens qui foutent la merde. Des dealers, des islamistes qui sont des fois mélangés, c'est des sous-ensembles. C'est eux qui souffrent. Il y a 4 millions d'otages dans ce pays. Mais ils osent pas se rebeller. Imaginez, mettez-vous à leur place, ces gens qui habitent dans ces quartiers, qui voient tous les jours la guerre en bas de chez eux, qui sont contrôlés quand ils veulent rentrer chez eux, parce que c'est sous contrôle, hein, c'est carrément des zones militaires, mais militarisées par des islamistes, mi-dealers, mi-islam. Vous direz-vous, hein, voilà. Donc mettez-vous à la place de ces gens. Ce sont des otages, ils n'ont personne vers qui se retourner. La police ne fait rien, la justice ne fait rien. Et ils sont tous les jours harcelés par cette bande de petites minorités de la minorité qui fait sa loi. Donc ceux qui disent qu'il faut réagir, c'est pas des racistes. Au contraire, comme moi, je suis pas un raciste. Je dis qu'il faut sauver ces gens-là. Quand je parle des Français, c'est au sens large. Évidemment que les Français sont pas tous, ils s'appellent pas tous Jean-Philippe. Voilà. Donc vous nous prenez pour des cons. Vous n'avez aucune honte. Et vous tenez les médias qui sont à vos ordres, et qui parlent pas de tout ça. De temps en temps, un petit reportage, oui, bon, d'accord, mais on passe à autre chose. La ville de Trappes. Qui peut nier que la ville de Trappes n'est plus la France, entre autres? Personne.
Vous êtes tous des complices. Et je vous le dis à vous de la justice, là, des syndicalistes, des bien-pensants. Vous rendez compte qu'elle a mis une marxiste, présidente de l'époque de S magistrature. Non mais franchement, marxiste. Donc je vous le dis, carrément, comme je le pense, nous avons en France une justice assassine, qui assassine des innocents dont elle ne connaît pas le nom, et qui ménage les coupables à partir du moment où ils ne s'appellent pas Robert Martin ou Jean-Paul Dupont. Voilà, c'est ma conclusion, et je pourrais détailler, mais ce matin, j'ai pas envie de m'énerver.